Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur la Glossy Box du mois de janvier. Si vous entendez des scrunch, 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 c'est juste que Lexi a décidé au moment où je tourne de manger ses croquettes. Tout va bien. Alors, en fait, je me rends compte que la luminosité n'est pas si terrible que ça. Donc, du coup, je vais sûrement pouvoir vous filmer d'autres vidéos et ça, c'est cool. Voilà, donc sinon je vous remercie avant pour toutes tous vos commentaires, vos vues et tout sur les vlogs, parce que franchement je pensais pas que surtout que j'ai pas grand chose à faire, donc voilà. Encore une fois, pas maquillée, etc. Mais vous avez l'habitude, il me semble. Voilà. Et puis comme je viens de la recevoir et que je suis une éternelle impatiente, j'ai décidé de la faire tout de suite. Voilà, pour une fois je suis pas en pyjama, vous remarquez. Allez, on l'ouvre. Je me suis spoilée quand même, j'ai vu certaines choses qu'il y avait, dont je suis quasiment sûre d'avoir la miniature du Better Than Sex de Too Faced, le mascara. Je l'ai trois, ça me fera le troisième, je vais pas me plaindre, je l'aime bien. Voilà. Alors, c'est l'atelier du bonheur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, bon. L'atelier du bonheur. Alors, la liste de mes résolutions, un regard hypnotique, donc oui, c'est sûr. Ça sent le... Comment on appelle ça? Ça sent le... le mascara Too Faced. Un teaser du février, ça sera Love is in the air. Ça me fait penser toujours à la pub Love is in the air. Nanana. Oui, je sais, ça va pas mieux. Hein. 2016 s'annonce pas forcément mieux que 2015. Alors, pour 2016, je vous fais un petit spoil. Alors, évidemment, la Saint-Valentin. Le coffret iconique laisse place à un design exclusif aérien que vous avez choisi lors de vos votes massifs il y a quelques mois sur nos réseaux. En février, nous allons donc vous envelopper d'amour et surtout de beauté avec tout ce qu'il faut pour agrandir et magnifier votre regard, obtenir une peau aussi douce que du velours et surprendre un peu plus que d'habitude l'élu de votre cœur. Célibataire, point d'interrogation, oui quand même, nous avons rassemblé toutes les armes nécessaires pour que la roue tourne plus vite que vous ne l'imaginez. Et si on a décidé, si être célibataire est un pur choix, on fait comment? Voilà, parce qu'il y en a qui sont célibataires mais qui ont envie de rester célibataire. Voilà, hein, Glossy Box. Par contre, c'est trop bien parce que y a un DIY... pour faire une commode 3 tiroirs avec les box. Donc ça par contre c'est super bien. Moi j'avais déjà fait un... Je l'ai déjà fait ça. Mais je trouve ça vraiment cool. Parce que du coup ça permet de recycler un peu ces box de même couleur. Et du coup moi je garde que les éditions limitées pour faire joli et pour mettre dans mes tiroirs et tout. Parce que ça me fait chier de les découper quoi. Bref, on passe à la box parce que ça fait déjà pratiquement 4 minutes que je bablate pour rien dire. Qu'est-ce qui fait mon charme, me direz-vous? Non, je ne crois pas. Alors oui, effectivement, donc il y a tout ce que j'ai vu dans mon spoil. Donc, le mascara Better Than Sex de Too Faced, c'est le deuxième qu'on a. Je vais pas me plaindre parce que franchement, ce mascara est génial. Non, je vais pas l'ouvrir en fait. Ce mascara est vraiment super, mais franchement, Glossy Box, il y a tellement d'autres mascaras que on pourrait essayer, d'autres marques du style, même de chez Too Faced, hein, on pourrait très bien, vous auriez pu nous mettre un roller lash par exemple, qui est très bien aussi. Je sais pas moi, le roller lash, je crois qu'on l'a déjà eu dans une box. Mais bon, enfin, je veux dire, n'hésitez pas. À nous mettre, quitte à nous mettre des grosses marques comme ça, mettez, je sais pas, un Urban Decay ou. Enfin voilà quoi, mais arrêtez de mettre les mêmes trucs à chaque fois, ça devient chiant. Enfin voilà. Ensuite,
Une base primer de chez Emit Makeup qui est la base primer Illuminating Diamond Art. Voilà, donc c'est une base. Alors, est-ce que j'ai pu voir sur les. Je vais faire un mini swatch. J'utilise plus de base en ce moment. Alors, c'est peut-être un tort. Mais comme je suis en train d'essayer. De faire en sorte que ma peau soit le plus enfin, la moins chargée possible pour les boutons. Alors c'est magnifique parce qu'elle est censée illuminer et sur ma main ça ne me fait absolument rien. Donc sur le swatch que j'avais vu, ça faisait un joli une jolie illumination, enfin c'était un peu glowy, et là ça me fait strictement que dalle. Donc c'est une base. Voilà. Ensuite, un shampoing. Ouais. Infusion blanche, purifiant, cheveux gras, équilibrant. Le shampoing régulateur. Alors, autant vous dire que je pense que celui-là, je vais le filer à ma mère et ma petite sœur. Parce que... Oula, mon dieu, je lui l'envoie. Oh, ça sent fort. Parce que, autant vous dire que moi, j'ai pas les cheveux gras, déjà. Et que, en plus... Ah oui, il y a des huiles essentielles dedans. Et que, en plus, voilà, si je mets un truc asséchant sur mon blond, autant vous dire que je peux dire au revoir à mes cheveux. Et j'ai une routine capillaire qui est absolument merveilleuse en ce moment. Donc, voilà. Ça y est, il rejouette le focus. Ensuite, nous avons un eyeliner certifié organique, qui est le Snowflakes. Donc, qui est un blanc de la marque, de la MAO Organic Cosmetics. Hein. Donc, apparemment, ça a l'air d'être bio et patin, couffin. Ouais, c'est un col blanc, quoi. Donc là, je l'ai mis par-dessus la base et j'avoue que ça glisse pas mal, quoi. C'est bien. Mais voilà, vous voyez, c'est un blanc. Alors, je suis pas sûre que... Enfin, moi, quand j'étais au collège, il y a de très, très longtemps... On se mettait du blanc, mais là, ouais quoi, je sais pas. Mais bon, un crayon blanc, c'est toujours utile à avoir dans ses bases. Et enfin, pour terminer, alors ça me fait doucement rigoler. Parce que il y en avait un qui coûtait 19 balles chez, qu'on appelle ça, chez L'Oréal. Et qui, sur moi, ne marche absolument pas. Voilà, donc c'est Topic Crème Phantom Lipstick. Il apparaît au contact du pH et hydrate. Donc voilà, en fait, c'est les fameux rouges à lèvres qui... Marc, celui-là, il est pailleté. Donc voilà, il a la même texture, vous voyez, il est hyper fluo, quoi. Et en fait, suivant le pH de votre peau, en fait, il va se teinter de rose. Voilà, sauf que moi ayant les lèvres déjà hyper pigmentées, ça ne se voit jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. le seul truc qui marche sur mes lèvres et qui donne un aspect assez sympa, c'est le baume à lèvres de chez Sephora. Vous savez, qui teinte un peu pareil, mais qui est hyper hydratant. Donc là, celui-là, Topic Crème, c'est une marque qui est quand même assez bien niveau hydratation. Donc du coup, je vais voir quand même, comme il est un peu pailleté, je vais l'essayer. Alors, il me faut juste une glace, très chère. Une glace, comme si j'avais pas assez de palette. Est-ce que la nurse... Oui. Allez, on va essayer ça. En plus, comme j'ai les lèvres qui ne sont pas maquillées, je vais essayer sur ma main pour voir. Ouais, alors ça fait un rouge très léger. Hein. Et non, il ne se voit pratiquement pas sur ma main. Allez. Non, je dois pas avoir un pH hyper élevé parce que... Vous voyez, sur ma main, on voit là où ça brille. Là. Mais c'est pas flagrant, quoi. Allez. Je vais regarder sur mes lèvres avec aucune conviction. Alors la texture est super agréable. On sent que c'est hydratant.
Il n'y a pas de souci. Alors, comme je vous le disais, l'hydratation, pas de souci. Aucun problème. Aucun problème. On va essayer, laisser peut-être agir 2 minutes quand même. Alors voilà, ça me fait un léger rose. On voit que j'ai du brillant, enfin, on voit que j'ai mis du baume à lèvres. Mais voilà quoi. Ça fait rien. Je vais essayer de vous zoomer sur mes lèvres. Voilà. Enfin, ça change rien. En fait, j'ai les lèvres trop pigmentées. J'ai les lèvres trop pigmentées. Et ce qui fait aussi que les lèvres qui sont pigmentées, comme ça, ouais, on va peut-être faire comme ça, c'est mieux. Mes lèvres qui sont trop pigmentées font aussi qu'elles changent complètement la couleur des rouges à lèvres. C'est merveilleux. Dis donc, un brin de soleil, c'est cool. Enfin voilà quoi. Alors, que dire de cette box? Bah moi, j'ai bien aimé. Quand même. Même si, clairement, je vais sûrement me servir que de une seule chose qui est le mascara. Voilà. Après, il est hyper hydratant quand même. Donc peut-être que la rigueur, plutôt que de bouffer le Nuxe toute la journée, je vais peut-être faire celui-là. Je vais voir. Mais sinon, pas mal. Hâte de recevoir comme chaque fois la nouvelle box. Et puis voilà, sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !